tous les voisins, tous les proches. Je les ai reçus de mon nom, sur le seuil, comme la portière du couvent qui renseigne et sert les visiteurs avec une humble courtoisie. J'ai beaucoup répondu, peu interrogé, et j'aurais beaucoup souri sur le pas de la porte. Mais personne n'a pénétré dans la grande solitude du dedans, sauf de loin en loin quelqu'un mine rare. Certains les plus sûrs d'eux-mêmes ont cru avoir la clé, et j'ai cru aussi qu'ils l'avaient. Ils sont entrés, mais dès l'entrée, ils se sont trompés de chemin. Et je les ai reconduits doucement à l'extérieur, en leur donnant quelques fleurs du jardin, une étaluche ou des images. Et ils s'en sont retournés satisfaits, croyant avoir visité le monastère et s'être entretenus avec la messe. Mais ils n'avaient parlé qu'à la lumière. La porte du monastère, tous les pauvres y frappent, et l'amour sort du monastère pour leur faire le monde. Mais sans dire